Oh, voisin. Voisin. C'est quoi ça là? Comment c'est quoi ça? C'est la poubelle? Oui, mais ça devant ta porte. Aïe. Mais hey, si. Ça c'est devant ma porte. Mais ça prends la bille, mets ça devant ta porte. Hey, tu vas prendre ta bille, viens, mets ça devant ma porte. C'est devant ta porte. C'est ici toi tu dors. Mais si tu dors pas ici. C'est ma devanture. C'est dedans là-bas. C'est pas dehors ici. Et ça là, c'est la rue. Ça c'est la rue. Moi je m'en fous de ça. Ça c'est pour l'État. Je m'en fous, j'ai pris ta porte, mets ça devant chez toi là-bas. Ah bon? Chacun sa devanture. Ah, chacun sa devanture. Oui. Chacun sa devanture. Oui. C'est-à-dire désormais, toi tu veux limiter le quartier. C'est-à-dire que toi tu es ici, chez toi c'est là. C'est ça? Chez moi c'est là. Donc on ne doit pas déposer poubelle ici. Oui. Parce que c'est chez toi. Demain chez toi, tu peux pas être propre. Et puis toi viens salir, demain chez moi, ça dit quoi ça? Tu vois comment tu es égoïste? C'est-à-dire que toi tu es le voisin, oh. toi tu es un voisin, on peut pas passer, on peut déposer mon truc devant chez toi là, c'est un problème. C'est okay. Un problème. D'accord. Voilà, là-bas ta poubelle. Tu as une poubelle du sang comme ça, tu viens devant ma porte. Mais je vais te dire une chose, hein. Comme tu dis devant chez toi, on ne touche pas. C'est ça non? Oui. Okay. Ça veut dire quoi ça? C'est quel comportement ça? Je vais te dire une chose. Regarde, tu exagères tout dans le quartier maintenant. Hein. À partir de toi aussi, ici là. Ça, c'est ta limite qui est ici. Je ne veux pas te voir passer ici. Hein. Mais pourquoi? Pourquoi? J'ai déposé ma poubelle devant chez toi, tu as dit quoi? Que c'est devant chez toi. Mais ici aussi, c'est devant chez moi. Je ne veux pas te voir ici. Donc chacun défend devant chez lui. Tu as compris? Ok. Bon, voisin. Hein? Viens. On ne va pas faire par là pour une histoire de poubelle. Faut déposer. Ah, voilà. C'est ça. Maintenant, tu deviens conciliant. C'est ça. Le vivre ensemble, là, c'est ça. Il faut partager. Le quotidien des voisins. Faut pas être égoïste. Quand même. Poubelle, c'est quoi? Petit truc poubelle là, ça c'est quoi ça? J'ai accepté, moi c'est bon, faut pas dire. Ah. Attends, écoutez. C'est quoi ça là aussi? C'est quoi ça là aussi? Tu vois que c'est quoi ça? Hein? Mais tu veux mettre tes ordures dans la poubelle de ma maison là. Attends. Poubelle là, c'est pour toi. C'est pas pour moi. C'est pour mon petit voisin. C'est lui au moins qui peut parler. C'est pas ta poubelle. Oui, mais c'est de ma devanture. Attends, toi, ta devanture là-bas aussi, non? Oh. C'est pas devanture, je cherche. C'est poubelle, je cherche. Donc, il y a vu poubelle, il y a mis dedans. Oh, Seigneur. Tu as un problème pour ça? Tu as un problème? Parce que c'est ta devanture, on ne peut pas verser poubelle. Oui. Et on va utiliser la poubelle. Monsieur, oui. Monsieur, j'ai votre devanture. Prenez vos poubelles, votre poubelle, mettez ça devant chez vous. C'est quel comportement ça là? Ah, vous exagérez quand même, hein? Vous exagérez! Oh! Chacun n'a qu'à gérer sa devanture. Oui! Chacun n'a qu'à gérer sa devanture. Oui! Bien! Alors, il n'y a pas de problème. C'est quoi ça là? Regarde, à partir d'aujourd'hui, chez toi c'est ici non? C'est là! Oui. Parce que ta limite. Tu vois comme ça là? Ici chez moi là, tes enfants qui vont à l'école, pourquoi ils vont passer par là? Ta femme qui va au marché, faut plus aller passer par là. Aha. Si tu vas dans la boutique, faut plus aller passer. Je ne sais pas par où tu vas passer, mais chez moi aussi. Voisin, ouais. Il y a quoi? Il y a quel problème? Ah! Déjà, tu avais raison. Parce qu'à la dernière réunion, tu as dit que le voisin, la façon tu le vois là, on dirait qu'il est mauvais. Ah! Il n'est pas mauvais. Il est pire. Ah! Il est pire. Moi, il était dit. Moi, le joint du quartier, il me dit pourquoi? Moi, je mets mes ordures dans toi, ta poubelle que tu as mais est-ce que c'est pour lui la poubelle? Ah, il dit que c'est sa devanture. Ah, mais écoute, moi j'ai déjà délimité là-bas, là, il passe plus là-bas. Ah! Il a le choix. Moi, soit on laisse poubelle dedans, ou bien il reste devant chez lui. On va voir comment tu vas faire pour sortir, pour passer. Moi, je lui ai dit, ici aussi, tu passes pas, comment tu vas faire pour aller à la boutique? Tes enfants vont aller à l'école. Toi et moi, on a les mêmes pensées. Ah. On dirait que c'est la première fois en fait des poubelles chez. Quand c'est pas chez toi. C'est pas nouveau. Toi-même, tu sais, les grands quartiers là. Ah oui. C'est eux-mêmes qui produisent beaucoup les poubelles. Parce que leurs poubelles sang. Mais ils veulent ça, pas mais chez ils ça où? Chez les autres. Ils mangent chez eux, ils veulent ça chez les autres. Lui, il ne connaît pas, lui, il ne connaît pas, il est nouveau. Et n'a pas la culture de l'insalubrité. Et surtout du voisinage. Hein, voilà. Bon, ben, c'est rien. Okay. Tu es nouveau, ça va te passer. Ouais, hein? Ça va aller. Mmh. Ça va aller. Prends ta douleur en odeur. C'est là, qui m'a envoyé dans ce quartier-là même? Qui m'a envoyé?
Vous avez raison. C'est pas ce que je veux dire ici, non? Quand vous n'avez plus mes voix ici, là, ça me voit. Avant, il était seul qui me fatiguait. Maintenant, il y a un deuxième qui est venu. Ça, je suis mort. Je suis mort.